je quitte TikTok. Je suis venu vous dire que je quitte TikTok. Jerry, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Eh, attention! Sur Snap, ta côté mettait les cœurs. Et tout, actuellement, là, je ne peux pas faire live sur l'autre compte là-haut. Là-bas, là, vous savez que tout le monde nous regarde. Tout le monde entier nous regarde là-bas. Donc, c'est ici, je viens me cacher pour faire mes petits live et tout. Je viens me cacher pour faire mes petits live et tout ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens vous expliquer, je viens vous raconter ma story. On dit tu es marraine, ah bon? Je suis marraine, oh, moi mais je suis marraine de plein de personnes d'air. Hey, je souffre avec cette histoire de marraine. Je suis marraine de plein d'enfants, vous savez. Le téléphone de Métis là-bas là. Est-ce que vous me recevez bien même? Vous me recevez bien, Jean, ça va? Vous me recevez bien. On dit. Ouh! Oh! Le père d'Alou à mon père! Vous m'entendez pas. Vous m'entendez maintenant, non? Hein? Il dit, je suis sa marraine. Hein? Il n'y a pas de souci, oh. C'est pour les gens, je suis sa marraine, pourquoi? Il est parti, aïe. Je suis parti, je vais soulever mon sac. Vous voyez mon sac à dos, vous voyez toujours sur mon dos, là. Vous savez, il y a quoi dedans? Vous savez ce qu'il y a dans mon sac à dos? Mon sac à dos, je soulève tous les jours, je porte, là. Vous savez, il y a quoi dedans? Quand vous voyez le sac là, sur mon dos, criez le sac du bonheur. Parce que quand le sac là est dans mon dos comme ça là, tu connais Emma Hachi? Non, non. Quand le sac là est sur mon dos comme ça là, on dit il doit faire quoi? Payer ticket. Ticket de quoi ou? Ticket de quoi? Ah, c'est le sac du bonheur qui est là, hein? C'est ticket de quoi il doit payer? Acheter, pardon. Vous aussi, vous faites les affairages moitié-moitié comme ça. Oh. Moitié-moitié. Parlez bien, genre, quand nous tous, on est connectés, concentrés comme ça sur un truc. Dites en chèque, il y a des gens même qui me donnent du boulot. Moi, et quel... qui me donnent du boulot comme moi. Hi. Moi, je suis venue faire affaire. Je suis venue prendre affairage aussi. Du père d'Aloa. Ticket d'anniversaire. C'est combien où? Dites-moi d'abord. Elle vient regarder le prix. Merci, Tata la Rose Blanche. Tu seras au concert de Tata. Tata José, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Mon ticket est là, mais je ne sais pas encore. Je suis en train de voir. Je vais partir. Parce que ce jour-là, il y a un événement. Et tout très important là. Mais je vais tout faire pour venir, je vais tout faire pour passer et tout, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je dis aujourd'hui là, hey, si vous racontez ma journée. Bon, je suis venue même vous dire, il y a déjà commencé, il faut que je termine et tout. Je suis venue vous dire que je quitte TikTok. Je vais plus faire de live et tout sur TikTok. En tout cas, vous allez me voir en live, mais c'est pas sur TikTok. Et tout. Pas sur TikTok. Je rigole pas, hein. Je rigole pas, en fait. Je vais juste poster mes vidéos. À partir de la semaine prochaine, vous allez me revoir. Je serai de retour avec mes vidéos et tout. Genre bien chic chic et tout, comme d'habitude, quoi. Mais genre, je vais plus venir en live, quoi. Et oui, allez voter pour Awa, oh. Allez voter pour Awa, allez voter pour Awa. Oui, je sais me maquiller. Allez voter pour Awa, allez voter pour Awa, allez voter pour Awa, allez voter pour... Elle fait une vidéo pour ça même. Allez voter pour elle et tout. On dit les votes prennent fin dans 2 jours. Dans 2 jours.
Population ivoirienne, population d'ici et d'ailleurs, allez voter tous ensemble. Tous ensemble pour Awa. Voilà, allez voter massivement et tout. On ne me dit pas de voter. Vote là, ce n'est pas payant. Tu cliques dessus, tu votes. C'est simple. Voilà, c'est tout simple. Donc, allez voter. Si tu as ordinateur là, tu peux ouvrir plusieurs onglets. Tu votes, tu votes, tu votes, tu votes, tu votes. Voilà. Aujourd'hui, c'est la fête d'indépendance. Hey, mon pays chéri, la Côte d'Ivoire. Mon pays d'amour, mon pays de... Yash! Mon pays, pays de l'hospitalité. Pays des hommes bien, pays des hommes chic. Merci, Tata Bijou. Hey, Tata Bijou. Ah, vous avez changé mon nom. Ah, Tata Bijou. Ah, le nom a changé. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, pays de l'hospitalité. Hey, aujourd'hui, elle dit, elle fait. Et moi, il n'aime pas sortir là. Moi, j'aime pas sortir là. Aujourd'hui, je suis sortie quand même. Je suis allée me tra-tra un peu dans la ville et tout. Voilà, je suis allée me tra-tra un peu dans la ville. J'ai profité, j'ai serroté mon verre et tout. J'étais habillée, j'avais porté mini comme ça. Hey, ceux qui m'ont vu aujourd'hui là. J'étais un mini même. Mini même. Aujourd'hui, j'ai fait tennis. Genre, j'ai joué au tennis et tout. J'ai passé mes photos. J'ai passé mes photos que j'ai prises là-bas et tout. J'ai joué au tennis. Il dit demain là, mon genou. Actuellement, là, mon genou me fait un peu mal. Il sent que demain là, je n'ai pas. Yeah, parfum maintenant. Merci beaucoup. Merci. Yeah, qui m'a parfumé comme ça ce soir? J'adore ce cadeau. Donc, comme je disais. Je suis allée jouer au tennis. On dit faut pas y faire sport. Hein. Non, c'est pas yeah, qui a dit c'est pas je. Non, j'ai changé. J'ai changé. C'est pas même jupe là. J'ai jeté ça. J'ai jeté. Yeah, il a bien posté. Tandis, ne vous inquiétez pas. Il a posté tout sur Instagram et tout. J'ai pris même une photo. Hier, j'étais dans mon quartier comme ça avant-hier, non? Oui, hier. Yeah. Mm-hmm. Oui, c'est hier. J'ai fait le live. L'ensemble, j'avais porté là. J'ai fait une photo bien chic là. Et moi aussi, tellement même. Hé! Hey, bien commencer à apprendre à poster parce que vraiment c'est grave. Hey, c'est trop grave. En fait, j'ai beaucoup de photos dans mon téléphone. Beaucoup de photos de moi bien jolie, bien chic, mais je poste jamais. Je sais pas ce qui me prend. Mais bon, je vais commencer à poster et tout. Donc voilà, j'ai fait tennis et tout. Tout ça. Et j'ai porté ma petite jupe comme ça, genre bien chic. Et toi, mon petit haut sauté. Oh, j'étais sexy, hein. Ça, la meuf, c'était un chien.